Hey, salut tout le monde, ici c'est Funky Fouine et on se retrouve sur Alpage The Five Books car il y a eu des mises à jour qui ont changé le jeu et on va voir ce que donne du coup le jeu avec ces nouvelles mises à jour quoi. Bon, je délire bien sûr quand même sur le texte de les forces divines vont vous envoyer des munitions, des armes explosives, des plantes magiques et des vies supplémentaires. D'ailleurs, je pourrais vous lire ça quand même, je l'ai jamais fait. Vous êtes le dernier gardien des 5 livres. Quel que soit l'endroit où ils apparaissent sur le monde, vous devez les trouver et survivre aux créatures de chaque bouquin. Le dernier livre vous donnera le pouvoir de tuer la sorcière. Et ça mettra fin à toutes ces horreurs. Et donc, la sorcière va tout faire pour nous stopper. Elle aime les chiens dangereux. le clown psychopathe aime prendre du temps pour tuer ses proies. Et la chasse... je trouve pas le mot. Incessante lit en anglais, tant pis. Le teddy bear a deux faces, oui. Et la plante. Je suppose que c'est pas la plante, mais la floriste. On peut voir le monde plein d'arbres et de plantes. Oui. Et Mouse 2 Raise Side. Ah oui, c'est juste. Je suis mongol. Et beaucoup d'autres choses peuvent venir de partout. Allez, c'est parti. Et donc là, il y a le nombre de vies marquées. Et il y a bien les barils explosifs. Oh putain, il y a déjà la gueule du jeu, quoi. Ça grave de nouveau changer. Une vache! Push and shoot explosive barrel. J'ai un shotgun? Oh putain. Maintenant il y a un shotgun. Ouais. Bon, j'ai toute ma vie. Bon, on cherche les bouquins. On se met dans le truc. Ah. Il faut se calmer. Mouais. 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 Ah. Donc ce que j'ai vu du jeu, des demandes que les gens faisaient sur le jeu, les gens demandaient quand même à ce que ça devienne plus action. Et ça, c'est la mise à jour a l'air de s'être dirigée vers ça. Putain, les barils explosifs. Non. Sac cochon. Mais putain, je suis quand même impressionné par l'ambiance qui a changé là de nos petites contrées. Faut le calmer. Ah, je peux pousser les munitions maintenant. J'avais pas toute ma vie. Putain, il recharge vite son shotgun quand même. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément une mauvaise chose que le jeu devienne plus action. Oula. Justement, c'est quand même un jeu qui essaye de mixer plusieurs styles. Ah! Il faut trouver un équilibre dans tout ça. Forcément. Et donc, on va voir ce que ça donne. Non, non. Oh putain. Laissez-moi les zombies! Non, les corbeaux! C'est quoi ça? Wouah, j'ai trouvé deux vies! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Ça démarre une musique démoniaque! Non! Il était juste derrière moi, quoi. Hein? Ah! J'ai plus de vie! Y'a pas un bouquin dans ce coin? Bon, j'ai trouvé deux vies, hein, je devrais déjà mais. Il m'est content! Raté! Merde! Y'en a un viseur d'ailleurs maintenant. Mais seulement de remarquer un mouton. Il ne
nouvelle musique. Oula merde. Mauvais chemin. Mourez. Mourez. Vite Billy. Ah non. Saloperie, je me fais toujours avoir par ces animaux démoniaques. Les zombies, j'arrive à les tracer, mais les animaux démoniaques, ils sont... Bon, ils courent plus vite que des humains, ça se tient dans un sens, on va dire, non? Je sais pas. Je cherche des localisations de l'œil, hein. Damn, dans ta face. Ah, shotgun, hein, ça fait toujours plaisir, forcément. De temps en temps, quand même, quand on est au calme comme ça, le jeu installe une ambiance. Quand même. Quand même. J'ai vu un truc à vie, mais du coup, je vais de nouveau pas trouver de bouquin. Je suis pas sûr qu'on pouvait sauter aussi. Hein. Je sais pas, j'ai sûrement jamais essayé en fait. Et on peut se baisser aussi. Laissez-moi. Je perds trop vite ma vie. J'ai cru qu'elle m'avait rien rendu la plante au début. Parce que ça a un peu ramé à s'afficher. Ah, 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 mais la vie. Bande de violente. Ah, stop. Vous êtes trop méchants. Vous n'êtes pas gentils. C'est une petite porte, ça, quand même. Les plantes ont l'air de rendre sa race. Non, mais... Y'a vraiment pas de bouquin dans ce... Dans ce village de dégénérés. Ouais. Aïe. Non, non, monsieur le zombie, faut se calmer. Faut se calmer. Saloperie. D'animaux démoniaques. Y'avait pas un truc en bordure du village là avant? Je croyais. Sans l'avoir vu, genre. Non, putain, j'ai dû halluciner. Presque dommage qu'on puisse pas trop se poser pour observer le village parce que je trouve il a un certain style. De l'eau! Ah, un autre truc! Allons-y! Laissez-moi. Retentons un peu. Laissez-moi. Voilà, vous voyez bien quand même que certaines choses ont été adressées. J'avais lu dans les demandes que les gens voulaient un shotgun. Il y est. Que les gens trouvaient le soleil trop fort, bah... Ouais, bah... Bah voilà. Plus de soleil. C'est une usine ou... Une vache. La vache. Tu m'as trahi. Non, 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 je voulais... Je faisais cette opération pour récupérer de la vie, pas pour en perdre plus. Désolé, j'ai dû m'occuper de quelque chose. Et nous avons le beau The Witch. Et du coup j'ai les cheveux qui partent en couille. Parce que j'ai dû m'occuper de ça tout en continuant à courir et à survivre. Parce que... Ah. Parce qu'il me semble que si j'appuie sur échappe, ça met fin à la partie.
trop de choses. Oh mon dieu, mais c'est l'Armageddon. Stop. No Anya Face. No Anya Face. Si tu le dis. Oh putain. Non, D'accord. Ça aussi, on peut voir que ça a été changé. Ça avait été adressé. Les gens trouvaient ça dommage que la Witch pouvait nous instant kill, si vous souvenez, comme dans la première vidéo. Si on n'avait plus de vie. Bah là, elle n'enlève plus de vie automatiquement. Genome Games est à votre écoute. J'aimerais bien tomber sur un tonneau explosif bien placé, j'avoue. S'il commence à y avoir beaucoup de monde. Un peu trop à mon goût. C'est là, Armageddon. C'est quelque chose ça là-bas ou... C'est de l'arnaque. On va aller voir. Non. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Ah. Ouais, bon, faut être un pro du retourné tiré dans le jeu. Le bruit de ce zombie m'a fait rire. J'ai trouvé ça comique. C'est marrant qu'on pousse les munitions aussi maintenant. Bon, je suppose vaut mieux ça que ça nous bloque. Bon, ça, je suis assez content. Effectivement, petit problème de transparence ici. Genome Game m'en avait prévenu. Non. Ouais. Suppos de l'enfer. T'es un gentil cerf, toi, j'ai failli te tuer. C'est pas l'imbécile. Bon, d'accord. Ouais, je vais trouver toutes les vies avant de trouver les bouquins, quoi. Moi, c'est un style. Ah. Il y a trop de monde. Ah. Dis donc, ça rend la recherche compliquée, tout ça. Venez ici. Ça a pas bien marché. Oh non, mais... J'avoue que j'ai un peu l'impression qu'à peine je les ai tués, ils sont déjà rip-hop. Cimetière, ça va? Du brouillard et tout. Ça pourrait être un cimetière. Putain! La witch! Ah! Bon, moi, je me fais toujours avoir par la witch. Non, le chien! Non, en plus, c'est... Il l'a dit, en plus, c'est la witch qui invoque les chiens. Merde, c'est le début, non? C'est l'avion. D'un côté, est-ce que je suis allé voir près de l'avion? Je sais plus. Je ne sais plus. Putain, ici. Non! J'aime bien, on a vu son ombre, en fait. Aïe. Bon, j'ai qu'un seul bouquin, je peux pas vraiment dire. Mais du coup, j'ai encore l'impression qu'il y a moins ce sentiment de progression qu'au début. Là, je dois dire qu'effectivement, je suis un peu déçu de ne pas le ressentir. Enfin là, je trouve que c'est... C'est déjà grave la merde. Donc si ça empire avec les autres bouquins, je ne sais pas si je vais réussir à finir ce jeu malgré mes civis.
et je me suis perdu définitivement. Réagis à ce bruit, Funky, réagis à ce bruit. Arrête d'être con. Là, ça a l'air un peu spécial. Et genre, il y a des arbres cassés et tout. Pourquoi? Pourquoi tu dis pourquoi? Il a dit tic tac toc. J'aurais gagné 100 balles en mars, la personne qui aura découvert à quoi je faisais référence. Ça m'intrigue cette aéra, cette aréa, cet endroit là sans arbre. Bon, je suppose que c'est là. Ça peut tout simplement signifier. Non, voilà. Je suis beaucoup trop malin. Non. J'espère qu'il est pas aussi psycho dans qu'avant, quand même, j'avoue. Allez, tâtez mon shotgun, bande d'enfoirés! Né, bande de saloperies! Ah non! Ouais, voilà! GG! Bon, je me suis déjà fait au fond de l'Asie. C'est déjà une bonne chose, je vais peut-être arrêter. C'est quoi qui faisait ce bruit, le cerf, là? C'était mon cœur qui battait tout d'un coup. Herbe, oh putain, mais quoi, je peux pas vu arriver. Oh, j'avais l'œil ailleurs. Oh non, mais stop, trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Bon, c'est le meilleur shotgun du monde quand même. Si les shotguns se rechargeaient tous comme ça. Bon, les fleurs rendent toute notre vie. Ça, faut le reconnaître. Les fleurs nous rendent toute notre vie. Allons en haut de la colline. Repérez les lieux. Ouais, super, il y a des arbres qui me bloquent la vue. C'était quoi ça? Oh, c'est le... Ah là là, mais j'aimerais bien m'arrêter en... Non! Putain! Ah non! Non! Vous êtes trop méchant! C'est le village! Où est-ce que je suis pas encore allé? Là-bas! Des maisons! Des maisons! Fuck! J'ai raté. Meurs! Non, mais non. Vous êtes méchant. Putain, tu... tu m'attires avec des munitions, la witch. Espèce de méchante. Merde, mais c'est nouveau, ça. Je me suis détourné, ou... Je me suis détourné. Merde, il va y avoir des chiens. Faut que je procède à... Psychopathe? Non, aïe, aïe, aïe. Bon, il a l'air de beaucoup moins enlever le psychopathe. C'est déjà une bonne. Ah, les chiens, les corbeaux, les zombies, les vaches, les moutons. Tout me va du mal. Ce pays, c'est l'enfer. L'enfer est sur terre, le blanc et le noir ne sont pas roses. Notre référence. Ah, vas-y, le baril, tu vas droit sur mes ennemis. Damn. Quoi cette maison? Quoi
cette maison. Putain de cerf. Non. Putain, le corbeau m'a empêché. Ah non, non, mais c'est de nouveau trop le bordel là. Putain, y a pas un bouquin ici. Je suis triste. J'ai envie de pleurer. Non. C'est quand même grave le merdier, hein, faut le dire. Y a beaucoup de monde. Quoi. Oh putain, mais ça pop de partout. D'accord, donc j'avais une vie buggée. Apparemment, parce qu'il m'affichait 6 et là, j'ai plus que 4 vies. Quoi. Et c'est bien ce que je me disais, j'avais ramassé un truc, il m'avait donné 2 vies. Mais je suis où? Ah, je suis là où j'ai trouvé le dernier bouquin, là. Ça doit être ça, le délire. Ça apparaît au dernier bouquin qu'on a trouvé. Ça se tiendrait, hein, ça se tiendrait totalement. Non! Ah, mais voilà, j'ai à peine le temps de faire non! On en veut! On en veut à ma vie! J'avoue que j'ai du mal à trouver l'équilibre de quand me retourner pour taper, quoi. Pour taper, pour tirer. Et ici, on est déjà venu. Putain. Enfin, on va là-bas, on va là-bas. Non, les zombies. Zombies, vous êtes méchants. Tonneau explosif. Faut être tactique avec les tonneaux explosifs, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, c'est compliqué. C'est brain. Parce que je peux pas. On court pas plus vite en sautant. Je ne pense pas, ça a l'air pire, mais. Je fais du jump. Je sais plus comment on appelle ça maintenant. Ça vient plus en tête. C'est trop de choses. Trop de choses autour de moi. Je ne me souviens plus. Trop de zombies qui me gueulent à l'oreille. C'est peut-être moi qui suis nul, hein. Je ne sais pas. J'avoue que j'ai du mal à trouver un équilibre. Quand me retourner? Genre là. Non, le tonneau, arrête de rouler. Arrête de rouler, tu dois m'aider. Tu dois pas me fuir. Non. Trop rapide. Nous revoilà à la maison. Il y a avoir un truc dans le coin, non? Non. C'est réactif. Merde, lui, c'est le... J'avoue qu'avec le manque de soleil, du coup, on capte plus vraiment que c'est lui. Ça, c'est cool dans un sens, je trouve. Mais... Du coup, on se fait des petites frayeurs. Mais il meurt pas, mais il meurt pas. Mais c'est normal. C'est juste con. Il y a un bouquin. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la witch. This is a teddy bear. The teddy bear. Saloperie de Mochan! Les Mochan, Maniaco, aide-moi, les moutons m'en veulent! Non mais, tire sur ce putain! Et je fais de la merde! Et je fais de la merde! Tu fais de la merde! Oui, que font? Tu fais de la merde! Oh putain, le Télibir! Moi je kiffe le synthé, ouais moi je kiffe le synthé. C'est le village ça? Allez.
Excusez-moi, hein, je chante beaucoup, mais d'habitude c'est un signe que j'aime bien la musique. Ah laissez-moi vivre. Tonnerre explosif. Non, j'ai raté. J'ai raté. La merde. C'est la merde au grand 1. C'est la merde. Et voilà, et là je voulais toucher le zombie. Oh, stop. Stop. C'est dit, j'ai réussi à échapper au chien en courant. Je suis presque impressionné de moi-même. Oui, et déjà, j'avoue que ça... Quand même, gros changement, on peut courir infiniment. Ça change quand même globalement tout. Et donc avant, j'ai confondu ça avec le labyrinthe, en fait. D'accord. C'est marrant de leur tirer dessus quand ils sautent. J'aime bien. En fait, c'est ce petit temps de latence là entre. Mais j'ai le droit de nouveau à une vie. Ah, du coup, je suis déjà venu ici. Là. Il y a un problème avec le compteur de vie. Je sens que je vais mourir. Oh, mais... Non. Et mourir. Oh putain le. L'enfer est sur terre, le blanc et le noir ne sont pas roses. Est-ce que je suis pas encore allé? Où est-ce que je suis pas encore allé? Réfléchis! Réfléchis, Funky! Bon, là, je suis dans les hautes herbes. Tinte. Je sais que je suis déjà passé devant ce truc au moins 3 fois, mais... Ah, pourriture démoniaque. Donc, je trouve le cimetière. Ça, j'ai pas encore trouvé. Ça existe toujours, hein. Et je trouve ça quand même fou dans un sens de voir que comment un jeu peut changer d'une semaine à l'autre, quoi. C'est... Ah non, non, reste loin. Ah, parce que... Non, d'accord, j'allais dire. D'habitude, à chaque fois que je m'arrête... C'est le merdier. C'est le teddy bear, ça. Je pense que c'était le teddy bear. Ah non, non. Ça... Ah. C'est la guerre. C'est la guerre. Ressemble à la fin de la map. J'ai vu dans l'ombre. J'ai vu une vache. Non. Et oh. Trop de monde, j'arrive plus à tuer personne en plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Non.
Non, monsieur le zombie. Non. Non. Oh putain. C'est le teddy bear. Ça, apparemment, c'est l'arrivée du teddy bear. Musique un peu buggée. Mais musique un peu buggée. C'est marrant parce que ça la rend pas encore horrible qu'elle soit décalée. Ça aurait pu être horrible. Certaines musiques c'est très très horrible. Là ça va. Face. D'accord. Non. Serre démoniaque là. Merde, mais j'y crois pas, j'ai fait le tour du monde ou quoi? Oh. Putain, je la voyais même pas, Putain, elle est où? Elle est vire pas? Ah non, mais je suis remort, c'est pour ça. Non, le piaf! Je sais pas s'il était méchant, mais... Tire! Comme mon père me le disait si bien! Fuck! Mais tire! Mais j'ai fait le tour du monde! Comment j'ai fait ça? Comment j'ai mongolisé à ce point? Cet arbre est spécial. Servons-nous-en de repère. Il y a des arbres, des cailloux. C'est pas trop ce qui est cette... ce que représente cette musique. On l'avait eu au début. Enfin, si elle représente quelque chose, hein, peut-être juste tout simplement une musique. C'est moi qui cherche un sens à tout aussi. Alors qu'il n'y en a peut-être pas. La musique est buggée. Oh mais j'ai plus de munitions. C'est la merde. Meurs. Un tonneau. Ah, des munitions. Non, non, mais non, ramasse-les. Mais pas dans le... caca. Est-ce que Funky va réussir à s'en sortir? Est-ce que Funky va réussir à vaincre ces forces des enfers démoniaques? Découvrez-le dans le prochain épisode. Qui est tout de suite disponible là, ouais, c'est un lien là, ça tu vois.